Alléluia. Amen. Je vais rendre ce témoignage. Ça fait 10 ans que je suis malade. Mon papa même, il était guérisseur. Tout cas de maladie qui vient vers mon papa, il soigne ça. Il n'y a pas de maladie qui vient puis mon papa n'arrive pas à soigner. Mais moi-même, à mon tour maintenant, il n'arrive pas à soigner. Il a tout fait, ça ne va pas. Même à l'hôpital, tout ça, on a tourné ici, ça ne va pas. Un jour, on dit là, on a fini de faire son funérail, tout cela. Un mois après, la maladie a déclenché un coup. Ici, ça ne veut pas dire qu'il soit arrivé au Bénin. Sinon, moi-même, ici, un Bénin à 100%. Il soit arrivé au Bénin, bon, on ne va pas. Malabou. Quand on arrive là-bas, si on s'en consulte, il faut envoyer Capri, tout ça. Mais maladie, à moins de 20. Ça n'arrive pas là-bas, il a fait 9 mois au Bénin. Remarquez, ça va un peu. Je suis obligé de rentrer pour venir voir ma femme avec mes enfants ici. Quand je suis rentré en Côte d'Ivoire, c'est même maladie encore. Quand ça me prend moins de 20, je dois vomir sang. Quand je me donne les papiers, mon sang, je dois aller à l'hôpital, je dois dépenser plus de 200 000. Ok, il fait la pêche. Mais comment il fait? Mais comme on me parle à faire de Dieu, moi je pense à la légère, sinon je pense à la légère. Un mois où je voulais rentrer, où je voulais rentrer dans l'enfant maintenant pour suivre la voie et la chemin de Dieu maintenant, mon homme aussi est quitté. Au Bénin, vous venez. Donc, il était avec mon homme. Bon, on faisait les tirs. Lui, c'est un guérisseur. On faisait les tirs. Lui-même, il est rentré sur au Bénin. Dans le mois de décembre, même maladie. Ah, qu'est-ce qui se passe? Même maladie, quand ça ne tombe pas. Moi-même, je voyais ma mort. Moi-même, j'ai appelé ma mort même. La mort, elle ne venait pas parce qu'il souffre tout. Il sent douleur. Il ne peut pas grand monde. Je pète matin, midi, soir pour voir si ça vient, ça ne vient pas. Mais Dieu, parce que cette personne dit, c'est magie, c'est quoi? C'est pas magie. Toi-même, il faut avoir la foi. Parce que je sais ce qu'il a pardonné. J'ai pardonné. Je sais, moi, je suis Benoît 100%. Si on parle de Benoît, moi, mon papa était chrétien. J'ai pardonné tout ça. Mais tu as suivi la chemin de Dieu maintenant. Dieu m'a délivré de tout ça. Parce que maladie qui m'a fatigué, ce n'était pas facile. Moi-même, j'ai appelé la mort, elle venait me chercher, mais la mort ne venait pas. Parce que Dieu me sait que je ne suis pas comme on me dit. Aujourd'hui, moi, je vous parle. Grâce à l'homme de Dieu, que Dieu a envoyé son serviteur dans Vitry. L'homme de Dieu, Franck, grâce à lui actuellement, j'arrive à prêcher. Même la maladie, je ne sens plus la maladie. Je remercie mon Dieu. Parce que Dieu peut la terre, c'est un Dieu vivant.